Victoria! Thomas! Thomas! Pourquoi tu t'es emporté, hein? C'est exactement ce que voulait José. Et ils ont tous réussi, mais personne ne touche à ma fille. Victoria! Mais où est-ce qu'elle s'est cachée? Ah, mon pauvre. J'aimerais aussi la trouver pour l'embrasser et lui dire qu'il faut qu'elle oublie ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas pour ça, Lorenza. Mais c'est pas juste. C'est pas juste ce qu'on a fait à la petite. Je sais, je sais. Écoute, même si Victoria n'est pas de notre sang, elle a un fort caractère. Comme toi. T'as vu dans quel état elle a laissé l'autre gamine presque chauve. C'est bien, bien fait. Fait. Oh là là. Écoute, on va la laisser se calmer. Elle reviendra d'elle-même plus tard. Mais alors, si on s'en prend à elle sur la route, et si un blanc la voit et l'attrape? Non. Aucun blanc ne s'en prendra à elle. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où nous sommes. Pas trop tôt, où est-ce que t'étais, flemmard? Tu vois pas que les maîtres veulent de l'eau? Alors bouge tes pieds, plus vite que ça, vaurien! T'es vraiment nul, tu sers à rien! T'arrives même pas à marcher droit! Mets pas debout! Allez, dépêche-toi d'apporter cette eau! Tu vois rien, espèce de fripouille! Et vous autres, qu'est-ce que vous attendez pour charger la charrette? Plus vite que ça, voyons! Ou bien vous voulez que je me serve de mon fouet? Allez, plus vite que ça! Hilaria! Hello, elle est où? La porte, madame. Qu'elle se dépêche. Oui, madame. Toujours rien. La sage-femme dit qu'il faut attendre. Et le docteur Lopez devrait déjà être là. Ce sera un garçon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'en sais, Nicolas? Prions pour qu'il en soit ainsi. Victoria! Victoria! Tu descends ou je monte? J'ai trop mal. J'ai trop mal. Va voir si le docteur est déjà arrivé. Adela, je vous jure, j'en peux plus. Arrête de te plaindre. Vous, les Américaines, vous êtes des petites natures. En Espagne, en Castille, on accouche comme on peut, y compris sur la neige, sans toutes ces jérémiades. Et d'ailleurs, t'en es pas à ton premier. Celui-ci n'est pas normal, je le sais. Pense plutôt à donner un fils mâle et en bonne santé à Nicolas. Il a besoin d'un héritier. Merci. Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé plus tôt? Elle s'est entêtée à résister. Elle n'a pas voulu m'aider. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas, je crois qu'elle délire. Comment elle va? Je veux plus pleurer. Je n'aime pas avoir le nez bouché. Alors, il ne faut pas que tu fasses attention à toutes les bêtises que t'entends. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde a le sang de la même couleur. Peu importe que la couleur de notre peau soit différente. À l'intérieur, on est tous pareils. Petit garnement, où vous vous êtes caché? On vous a cherché partout. Allez, allez. Mais tu es de retour. Allez, embrasse-moi, ma chérie.
J'ai une surprise pour toi. C'est quoi comme surprise? Tu le sauras demain. C'est quelque chose de très, très spécial. Tu verras. Don Nicolas. Oui. Vous n'avez pas remarqué, on n'entend plus les cris de Madame Isabelle. Tu as raison. Tu crois que... Oui, je crois. Que se passe-t-il? Isabelle est morte en couche. Et le bébé? Je suis désolé, il n'a pas survécu. J'ai tout fait pour les sauver, Nicolas, mais... je n'ai pas réussi. Un garçon? Non. C'était une fille. Tu veux aller... les voir avant qu'on... Non. Pourquoi faire? Madame. Comment ça va, ma chérie? Bien, mamie. Elle est déjà née, ma petite sœur? Viens. J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas de sœur? Bon, ça n'a pas d'importance. Si c'est un frère, je l'aimerais aussi. Tu dois être forte. Ta petite sœur est allée au ciel. Et ta maman aussi. Avec moi. Je t'invoque, Seigneur Tout-Puissant, aide-moi à trouver le chemin parmi les vivants et les morts. J'invoque l'aide des morts pour trouver la lumière sur ma route. Car les morts sont nos ancêtres et ils nous protègent pour l'éternité. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mais en réalité, nos ancêtres ne sont pas les mêmes. C'est la vérité. Je ne t'ai pas mis au monde. Mais c'est moi qui t'ai élevée, je t'ai donné le sein. Je t'ai appris les premiers mots, alors Victoria, tu es ma fille exactement comme mes autres filles. Les autres ne pensent pas comme ça. Ma chérie, tu as ce que beaucoup d'autres ici n'ont pas. Tu as un cœur pur, sauvage, libre. Et maintenant, je vais te donner quelque chose et tu appartiendras pour toujours à ce peuple. Thank you.
Seigneur, donne à l'âme de ta servante défunte le repos dans un lieu lumineux. Pardonne tous ses péchés commis en parole, par action et en pensée. Dieu, puisque tu es la résurrection, nous te rendons grâce aujourd'hui et pour toujours. Repose en paix. Ce n'était pas une femme pour toi. Tu es libre maintenant et tu vas pouvoir en prendre une comme il faut. Laisse-moi entendre ce que dit le prêtre. Ce qu'il dit t'intéresse donc ? Pas particulièrement, mais tu dis toujours que c'est beau. Seigneur Tout-Puissant, accorde à Victoria la légua qui montre le chemin et ouvre les portes, et la soutiendra tout au long de sa vie. Donne-lui ta bénédiction et protège-la de tous les maux. Je te demande humblement, Seigneur, avec beaucoup de ferveur et d'espoir, d'intercéder pour nous auprès de nos ancêtres pour qu'ils nous donnent le chiffre secret. Qu'est-ce que c'est ? C'est le chiffre africain que nous recevons tous lors de notre naissance et qui nous protège. C'est le chiffre qui va te garder intact, honnête et pur. C'est l'Orochimi, qui veut dire la merveille de Dieu. C'est un chiffre secret qui va te relier à tous nos ancêtres morts qui, à partir de maintenant, sont aussi les tiens. Quand tu te sentiras seul et perdu, tu pourras les invoquer parce que dorénavant, tu fais partie de notre peuple pour toujours. Nicolas. Merci, Général. Et ta fille Isabelle, comment elle va ? Triste, ce qui est tout à fait normal. Elle n'a pas eu le temps de dire adieu à sa mère. Sa maladie l'empêche à ce point de sortir de la maison ? Oui, absolument. Le docteur a établi le diagnostic à la naissance. Elle ne supporte ni le soleil, ni malheureusement les piqûres d'insectes, et ni la brise fraîche du soir. Tout cela lui est interdit. Je ne supporterai pas de la perdre. Je n'arrive pas à imaginer la douleur qu'on peut éprouver devant la mort de son enfant. Elle est tout ce qui me reste, maintenant. Je suis là aussi, mon fils. Oh, toi aussi, mère, pardonne-moi. C'est un moment très douloureux pour notre famille. Mais on doit se rendre compte que la vie doit continuer. Tu fais quoi ? Ça te regarde pas. Pourquoi tu l'enlèves ? Parce que ma mère a inventé ce rituel pour m'aider à surmonter le rejet des autres. Seulement moi, je ne suis pas bête. Je sais très bien qu'il n'y a pas de chiffre secret. Pour moi, ce collier ne signifie rien. Ce collier, il signifie que t'as une famille qui t'aime. Ça veut rien dire pour toi ? Mais je sais très bien qu'il n'y a personne au monde comme moi. Et je me sens vraiment très seule. Si, il y a des gens comme toi. Pas la peine de mentir. Je t'assure qu'ils existent. Je les ai vus. Ils ont la peau comme toi. Les cheveux et même les yeux aussi. Où ça ? C'est loin du palenque. Très loin, à 2-3 jours de marche. Vas-y, montre-moi. Quoi ?
On les a trouvés. José est allé avec les hommes à leur recherche, mais ils ne les ont pas retrouvés. Les petits s'aiment beaucoup, tu sais. J'ai peur. J'ai peur qu'ils aient décidé de fuir tous les deux. Ils sont tellement innocents. Eux, ils ne connaissent pas le monde des Blancs. Je crois que nos gens ont raison. Laisser une Blanche dans ce village va nous porter malheur. Non! Ne dis pas ça, Lorenza. Tu sais quoi? Demain matin, on ira nous-mêmes à leur recherche. Et on finira par les trouver. Et tu verras, tout va s'arranger. Le mieux pour toi, c'est une femme espagnole, riche et de bonne famille. Tu es un important propriétaire terrien. Un homme respecté dans la société. Tu rêves même de devenir gouverneur. Tu peux te permettre de choisir la femme que tu veux. C'est bon, ça suffit, mère. Isabelle est encore chaude dans la tombe et tu veux déjà la remplacer. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis désolé, mais je ne trouve pas que ton attitude soit très chrétienne. Ne joue pas le numéro du mari attristé avec moi. Encore moins le rôle de la victime. Je sais très bien que tu n'aimais pas la femme que tu viens d'enterrer. Toi non plus, tu ne l'aimais pas, mère. La seule que tu aimes, c'est ta petite fille. Alors pourquoi tant d'empressement à me voir marier à nouveau? Il te faut une autre ennemie? À te voir, on dirait que c'est toi, la veuve. J'insiste, tu dois te remarier au plus vite. Je ne veux pas voir les murs de cette maison transformés en bordel. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu as complètement perdu la raison. Je ne suis pas une idiote, Nicolas. Je sais très bien que tu es ensorcelée par les esclaves. Je sais parfaitement que tu vis une vie de débauche avec elles. Et ce n'est pas ces goûts contre nature qui m'inquiètent. Non. Ce n'est pas ça. Mais il me semble que ce n'est pas très intelligent de ta part de le faire. Parce que c'est une question d'intelligence? Bien sûr que oui. D'après la tournure des événements, la République finira par s'imposer. Et bientôt, les Noirs auront les mêmes droits que nous. Je ne veux pas voir un des leurs venir réclamer tout le patrimoine que j'ai acquis avec tant de labeur. Non, je ne permettrai jamais que tu détruises le nom des Parignaux, Nicolas. Ne t'inquiète pas, mère. Je saurai choisir le bon moment pour me remarier. Pour le moment, les femmes ne m'intéressent pas. Toi seule me suffit amplement, chère mère. Je l'espère, Nicolas. Je l'espère. Vraiment loin. Ouais, mais si tu veux, on peut rentrer. Non, pas question. Tu m'as promis que tu me montrerais les gens qui sont laids comme moi. Quoi? Tu n'es pas laide? Tu es folle? Bien sûr que je suis laide. Tu vois pas? Je suis toute blanche. Tu es déjà parfaite comme tu es. Et ne dis jamais le contraire. Tu le penses sérieusement? Ça t'a pas plu? Je ne savais pas que les baisers chatouillaient comme ça. Il n'y a que mes baisers qui font ça. Dans ce cas, je vais t'embrasser tous les jours de ma vie. Thank you.
Tu vois bien que t'es pas seul au monde. Et il y a plein de gens comme toi. Laisse ça là. Et amène ça à l'hôtel. Attends, attends, attends. Il vaut mieux ne pas s'approcher. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au palenque. Et il faut faire très attention. Et ce monsieur, qui est-ce ? C'est un chef ? Lui, là ? Oui, c'est comme grand-père Prudencio. C'est ça. Voilà. Dépêche-toi. Non, mais qu'est-ce qui te prend ? T'es bête ou quoi ? Tu veux aller travailler à la mine, c'est ça ? Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Attends, attends, attends ! Ne t'approche pas de ces gens-là. Tu es vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Il vaut mieux qu'on aille ailleurs. Viens. Mon père, comment allez-vous ? Au moins, ramasse ce qui reste ! Ils ont la peau comme moi. Oh, regarde. Vraiment plus belle. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? C'est joli. Mais j'aime mieux notre village. Je préfère notre peuple. Oh, il faut qu'on s'en aille. Viens. Non, Miguel ! Je ne veux pas m'en aller tout de suite. Attention ! Tu ne peux pas faire attention ! Non mais... Restez là. Vous êtes qui, tous les deux, hein ? Dites-moi, qui êtes-vous ? Pourquoi vous vous tenez par la main ? Et toi, petit ? Qui est ton maître ? À qui tu appartiens ? Alors, tu m'entends ? Encore ! Non, tu vas me dire qui est ton maître ! Dis-le-moi ! Dis-le-moi ! Miguel ! Allez, allez, en cours, avance ! Mais non ! Avance ! Suis-les. Mais ne les attrape pas, je veux savoir où ils vont. Vous avez cherché dans la rivière ? Oui, papa, on les a cherchés partout, on n'a trouvé aucune trace des petits. Ils ont disparu depuis plusieurs jours. Et tout ça, c'est la faute de cette gamine. Et pourquoi pas celle du petit-fils du chef ? Lorenza. L'heure n'est pas aux accusations, mais à l'action. José, aide Thomas à rassembler les hommes. On recommence les recherches. Allons-y. Tout ça, c'est ta faute. Ça fait des années que je te le dis, il est incapable d'élever sa fille. Tais-toi, José. Ni Thomas ni sa femme ne pourront empêcher Victoria de suivre sa destinée. Encore moins d'assumer les conséquences de leurs gestes vis-à-vis de notre communauté. Allez, Victoria, allez. Miguel, j'en peux plus. Fais un effort. Allez, un petit effort. Viens. Allez. Viens. Vite, vite. Attends-moi. J'en peux vraiment plus. Je sais, mais tu dois faire un effort. Écoute, si on s'arrête maintenant, on n'arrivera pas avant demain. D'accord, allons-y. Thank you.
On était très inquiets. Lorenza est couchée. Elle est très angoissée. Vous ne pouvez pas recommencer une chose pareille, Victoria. Il faut nous en parler avant de sortir de notre territoire. Papa! Papa, ils sont revenus! Maman! Miguel! Je t'ai appris tous les chemins qui mènent à l'ennemi. Mais je vois que tu n'es pas capable d'en assumer la responsabilité. Tu étais censé me remplacer un jour, tu devrais savoir te comporter. De Victoria, je n'attends rien. Tout ceci est de ta faute. Grand-père, moi je voulais juste... Tu nous as tous mis en danger. Tu ne comprends pas ça. Mais ce n'est pas de sa faute. Tais-toi, Victoria. Où est-ce que vous étiez? Eh bien... On s'amusait à remonter le courant de la rivière... Et quand on s'est rendu compte qu'on était trop loin, on a mis plusieurs jours à retrouver notre chemin. Je crois que je vais vous séparer tous les deux. Non, 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 non. Oh, ça suffit, arrêtez. Ça suffit. Ce qui compte, c'est que vous êtes là. Et surtout, sain et sauf. Pardonne-moi, maman, je ne recommencerai plus jamais, pardonne-moi. C'est sûr que tu ne recommenceras plus jamais. Oh, ça, crois-moi, rentrez à la maison tout de suite, allez. Plus vite que ça. Bien repérer le chemin, tu peux y conduire nos troupes sans qu'ils s'en rendent compte, n'est-ce pas, Pedro? Très bien. Messieurs, je l'ai vu de mes propres yeux. Le garçon est un nègre marron. Il n'a pas de marque, mais ses vêtements sont très grossiers. Il doit avoir plus ou moins l'âge de la fille blanche qui l'accompagnait, à peu près 12 ans. Mon général, si ma mémoire ne me trompe pas, ça doit être à peu près l'âge de la fillette qui a disparu. N'est-ce pas, père Octavio? Oui, c'est vrai. L'incendie date d'il y a une douzaine d'années, à peu près. Et je crois que la petite aurait plus ou moins cet âge maintenant, mais il faudrait confirmer tout ça avec les registres de baptême, non? Alors dépêchez-vous de le faire, mon père, parce que si la fille que j'ai vue est bien celle qui s'est perdue, il faut qu'on la sauve d'un destin aussi cruel. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Nous devons nous organiser et attaquer le village tout de suite et récupérer la fille. On doit la sortir de pareille souffrance, coûte que coûte. On a cherché ce village pendant tant d'années... que j'ai fini par croire qu'il s'agissait d'un mirage. Pedro, tu connais le chemin. Tu conduiras les troupes. Messieurs, on doit tout de suite rassembler tout ce qu'on a, les hommes, les armes et les chevaux pour le capitaine Granados. La troupe part tout de suite récupérer la fille. Merci, mon général. Monsieur, je peux vous parler d'une affaire personnelle? Bien entendu. Que se passe-t-il? Il s'agit de ma fille, Isabelita. Fait une rechute, et je vous avoue que cela m'angoisse de laisser les femmes toutes seules à l'Éden. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter, Nicolas. Tout d'abord, tu dois veiller à tes devoirs de père de famille. Ne te fais pas de soucis, le métier s'apprend au fil des ans. Merci. Néanmoins, j'aimerais vous proposer les services de Morales, vous pourriez en avoir besoin. Merci, Nicolas. Un homme de plus n'est jamais un homme de trop. Bien sûr. Quel que soit le plan d'attaque, tu vas corriger l'erreur que tu as commise il y a 12 ans. Tu vas retrouver la fille que t'as perdue. Et si c'est vraiment elle, ton Nicolas? À ton avis, tu sais bien qu'elle aurait dû mourir dans l'incendie. Écoute-moi bien, Morales. Personne ne retrouvera cette fille, parce que tu arriveras en premier. Et tu la tueras. C'est compris? Oui, monsieur. Je compte sur toi. Ouvrez grand vos yeux! Oui, capitaine!
N'oubliez pas, tout le monde à l'affût. Les yeux grands ouverts. Oui, capitaine. Tout le monde à l'affût. Oui, d'accord, capitaine. Attendez les instructions. Oui, capitaine. Messieurs, ne vous dispersez pas. Bien, capitaine. C'est bien la bonne direction, hein? Oui, mon général. Il se cache dans ces endroits isolés. Regardez par là. Mais l'esclave dit qu'on est tout prêt et que le rebelle et la fille blanche sont passés par là. Allons vite, plus vite. On est tout prêt, messieurs. Oui, monsieur. Allons-y. Allez. Par ici. Allez, dépêchons. Allez, les gars. On y va. Oui, capitaine. Dans le coin. Oui, capitaine. Le chemin est étroit. Passez de par deux. Ouvrez la porte. Chef. Qu'est-ce qui se passe? Chef, les blancs arrivent. Quoi? Les blancs arrivent. Ils sont à cheval et ils ont des armes, ils vont nous attaquer. Écoutez tous! Protégez les femmes et les enfants! Apportez les armes! L'homme blanc arrive! Tout le monde à vos postes! Soyez prêts à vous battre! Où étiez-vous l'autre jour? Alors parlez! Dites la vérité! Vous avez vu des hommes blancs? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont trouvés juste aujourd'hui? Hein? Répondez! Parlez! Tu y es pour quelque chose. Arrête, c'est ta faute, j'en suis sûr. Pourquoi ils sont là juste maintenant? José, laisse ma fille tranquille. On va avoir un problème tous les deux à nouveau. Je savais que cette fille serait notre malheur. Mais qu'est-ce que tu dis, José? Victoria, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Miguel et moi, on est allés en ville. Et les gens de là-bas nous ont vus. Je maudis ce jour où on l'a amené dans ce village. José, combien de blancs as-tu vu? Ils sont beaucoup. Ils sont un bataillon. Ils sont tous armés et à cheval. Ils ont un guide noir. Un traître qui a dû suivre ces deux idiots. Gardez vos positions! Oui, capitaine! Allez, dépêchons! Ceux qui ont des haches restent cachés chez eux et découpent en morceaux tout ce qui bouge. Les archers grimpent sur les toits et attaquent tous ceux qui s'approchent. Partagez les armes. Le moment est venu de se battre avec ardeur pour défendre nos femmes, nos enfants, notre liberté. Mais si la mort nous surprend aujourd'hui, avant nous aurons lutté. Plus jamais de chaînes, plus jamais esclaves. C'est pour ça qu'on nous appelle les nègres marrons. Oumaye! 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 Merci, Pedro. Tu peux retourner en ville. Pata. J'ai cherché ce village pendant tellement d'années que j'ai fini par croire qu'il n'existait pas. On va brûler ces rebelles et l'enfer dans lequel ils vivent. Attends un peu. Messieurs, laissez-moi vous rappeler que le but principal de notre attaque est de récupérer la fille blanche. On attrapera les esclaves rebelles et on détruira leur palenque uniquement après avoir sauvé la fille. C'est clair? Oui, oui, mon général! Capitaine Granados, préparez l'attaque.
et tenez-moi au courant de l'évolution de la situation. Exécution. Père, je crois qu'on n'a pas besoin de prendre autant de précautions. Je suis sûr qu'ils ne savent pas se battre en groupe. Rappelle-toi que les bêtes attaquent toujours par peur et dans le désordre. Attends, Joaquin, calme-toi. Tu l'auras, ton moment de gloire. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux me battre aussi. Et comment veux-tu lutter contre ces sauvages, hein ? Je veux me battre aussi. Qu'est-ce que tu vas faire, Miguel ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne sais pas ce que tu dis, Miguel. Tu peux mourir. Mais je dois défendre mon village. Mais non ! Si ces soldats sont là, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai amené Victoria à Santa Marta. Oui. Mais maintenant, tu as une mission plus importante qu'aller te battre. C'est quoi ? Défendre le bien le plus précieux qu'on a. Les femmes. Et les enfants. Si ces hommes envahissent nos murs, tu dois tous les faire sortir par notre passage secret. Et n'oublie pas, il faut les emmener loin d'ici et les protéger au risque de ta propre vie, Miguel. Pourquoi Granados tarde tant ? Du calme, mon fils, du calme. À la guerre, il faut décider la tête froide et être vif au combat. Je vous écoute, capitaine. Le village est un cercle. Fermé par une palissade. On ne voit rien à l'intérieur, le treillage est très compact, très haut. De quelle hauteur, à votre avis ? Difficile à dire, mon général. Calmez-vous. Tenez-vous tranquille, ici rien ne peut nous arriver. Nous sommes bien protégés, en plus on a les hommes qui sont là pour nous défendre. Ça va, Rosita ? Ça va, ma chérie ? Peu importe ce qui va se passer, personne ne pourra nous séparer. Milagro ! Victoria, où est-ce qu'elle est passée, ta sœur ? Je ne sais pas. Elle était là il y a un petit moment, elle racontait des histoires aux enfants. Je vais la ramener. Et j'en profite pour apporter ce poison aux archers. Si Milagro revient, dis-lui de ne pas bouger. Toi, ma fille, je t'en prie, ne mets pas ta vie en danger encore une fois. Écoute. Il ne faut surtout pas que les hommes blancs te voient. Milagro ! Maman, tu m'as fait une de ces peurs. Tu ne peux pas prendre des risques comme ça. On doit vite se cacher à la maison. Je sais, mais je me suis rendu compte qu'il manquait les enfants d'Angela et je suis allée à leur recherche. Vas-y. Milagro ! Tiens, c'est pour toi. C'est un poison très puissant. Cache-le bien. Une égratignure avec et... Occupe-toi de ces petits. Oui, maman. Tu peux y aller. Flanquer une frousse à tous ces sauvages, Morales. Sous vos ordres, je suis prêt à vous les ramener tous. Et à en faire un tapis pour vous essuyer les pieds, capitaine. Même pas en rêve, Morales.
J'ai été très clair. Les nègres marrons doivent être en mesure de travailler. Seuls leurs maîtres pourront les punir. Compris ? C'est bien compris, Morales. Oui, mon général. Bien, je ne veux pas un massacre. Nous allons entrer pour récupérer la fille blanche. Mais il faut aussi se défendre, bien entendu, c'est compris ? Oui, mon général ! Très bien, préparez les arbalètes.